Charles III et Camilla, la sœur de la reine, décryptent leur couple atypique. Dans un documentaire retraçant la première année de règne du roi Charles III, la sœur de la reine Camilla, Annabelle Elliott, a évoqué le couple royal et a fait des révélations sur leur relation atypique. Le roi Charles III et la reine Camilla ont célébré Noël à Sandringham aux côtés d'autres membres de la famille royale, mais aussi de la sœur, des enfants et des petits-enfants de la reine. Le lendemain, la BBC a diffusé un documentaire sur la première année de règne de Charles en tant que souverain, Charles III, l'année du couronnement. L'occasion d'entendre plusieurs proches du couple royal parler du lien qui les lie. Annabelle Elliott, la sœur de la reine Camilla, s'est exprimée dans le documentaire. Celle qui faisait partie des deux ladies in attendance, ou dames de compagnie de la reine, lors du couronnement en mai dernier, s'est confiée sur le couple formé par Charles et Camilla. Elle est son rock, et je ne saurais trop le souligner. Camilla est quelqu'un de complètement loyal et elle n'a pas de haut et de bas énormes, a-t-elle confié, précisant ensuite que la réciproque était vraie. Il lui apporte tout et je ne parle pas de tout cela. En faisant référence au palais de Buckingham, NDLR, il a une telle connaissance et un tel intérêt pour tant de choses différentes, auxquelles elle n'aurait pas été ouverte si elle ne l'avait pas rencontré. Un lien unique lie Charles et Camilla. Si Annabelle Elliott a reconnu volontiers qu'ils sont comme le yin et le yang et qu'ils sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, elle a indiqué. Mais cela fonctionne à merveille. La sœur du roi, la princesse Anne, s'est aussi exprimée, pour la première fois publiquement, sur la longue relation entre son frère et sa belle-sœur et elle a donné à Camilla son approbation. Je la connais depuis longtemps, par intermittence. Sa compréhension du rôle et la différence que cela fait pour le roi sont absolument exceptionnelles. Et la mère de Zara Tyndall d'ajouter, appréciant visiblement sa belle-sœur, ce rôle n'est pas quelque chose qui lui est naturel, mais elle s'en acquitte très bien. Elle apporte ce changement de vitesse et de ton, ce qui est tout aussi important. Fiona Lansdowne, amie de longue date de la reine Camilla et l'une de ses nouvelles dames de compagnie, a dit d'eux qu'ils forment une équipe extraordinaire. Je pense que c'est parce qu'ils ont dû se battre pour en arriver là, ou parce qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves ensemble, qu'ils ont tissé des liens très forts. Un amour qui a traversé les décennies pour Charles et Camilla, sans prendre une ride.